On fait du cross en ville. Allez, et bonsoir à tous et à tous. Ben, j'espère que la vue sera pas trop mauvaise vu que là il fait nuit. Alors je suis désolé, hein, il n'y a pas eu de vidéo daily observation, enfin du moins hebdo observation, depuis une bonne semaine, voire deux, je sais plus exactement. Parce que ben, la moto elle était en panne, donc ben, si vous avez vu, hein, j'ai refait mon carbu. Je vous mettrai une petite fiche là, juste en haut. Et donc ben, maintenant les problèmes sont réglés, j'ai moi-même réussi à trouver le réglage du carbu. Alors elle pétrouille un tout petit peu à froid, mais après à chaud, ça va. Elle roule plutôt bien. Alors ouais, ça a pris un petit peu de temps, parce que le temps que je comprenne comment on réglait ça. Et là, bah, elle est froide parce que je pars du travail. Allez, bah, sans plus attendre, on part sur la petite intro, et puis bah, des séquences de daily observation, puisque c'est le thème. Je l'avais pas vu, pardon. Ah, je l'ai vu au dernier moment où j'étais en train d'accélérer, là. Incroyable. Fils de pute. Et pas de clignotant, bravo. Allez, feu rouge clignotant, arrêt absolu. Ben, il est où le bus? Ah ben voilà. Ok. Ah oh, merde, et moi j'ai calé. Super. Ah, ça a encore changé. Il y a une polémique autour des ralentisseurs. Et je tenais à vous montrer cela. Jugez par vous-même. Et puis il n'y en a pas qu'un. Hein. Ils sont vraiment mal foutus. Et puis alors ça grimpe. On se croirait sur des montagnes russes. Je fais passer ce petit message tout simplement parce que bah, l'ABM à ma femme ici, eh ben, je l'ai fait frotter le pare-choc. Voilà, c'est super. Alors qu'elle est juste rabaissée avec des ressorts courts quand même, réglementaires. Donc ici, une voiture de sport, je me demande comment elle fait pour passer. Hein. Alors là, c'est pareil, vous voyez la gueule du rond-point. Incroyable. On fait du cross en ville, c'est une sacrée affaire. Hein. Alors ici, regardez, hop, une cuvette, et là, boum, allez, on est dedans. Je doute qu'il fasse 10 cm. Hein. J'ai pas de mètre pour mesurer, mais quand même. Là, la petite arche, je la trouve vraiment sympathique. Ça a encore changé ? Alors il y en a, ils trouvent aussi qu'il y a des giratoires un peu bizarres. Et celui-ci qui est carré, on en parle? Il y en a, il a perdu sa chaussure. Oh, c'est dégueulasse, laisser des poubelles là, purée. Oh, les gens, c'est des gros porcs, quoi. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec mon téléphone là? Attends, reste tranquille, je communique bien comme il faut avec la nature. Allez, on se fait signe, hein. Même si c'est un petit 50, bon, il a un deux roues. Allez, pas de discrimination chez moi. Ah mais vas-y, sans déconner tonton là, faut que t'arrêtes de parler avec ton accent de bolosse là. Allez, belle sa petite moto rouge là. Oh, la petite Renault là. R8 Gordini, si je dis pas de conneries. Et toi, elle s'est dès le passage, là, heureusement que j'accélérais pas trop fort, hein. Allez, ça déboîte sans clignotant. Punaise. Mais les gens... C'est affligeant. En raison des récents événements, tous les examens ont été annulés.
sympa. Ah, mais aujourd'hui, c'est la fête, là. Ah, j'adore. Il y a vos feux stop qui fonctionnent plus. Vos feux stop, quand vous freinez, ça fonctionne plus. D'accord. Parce que ça peut être dangereux. Hein. Allez-y. Revenons-en au fait. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur, exactement? Et je sais plus. Oh, punaise. Ils peuvent pas faire des pentes douces sur le ralentisseur. Oh là là, mais c'est incroyable, hein, ça. Bon, finalement, vous n'êtes plus des navires de la planète Pandora non plus. Les navires, c'est saut 2009. Dire saut 2009, c'est saut 2011, quoi. Ouais. Non mais n'importe quoi, sérieux. Je sais pas pourquoi je sens que je vais tomber en panne. Ça serait pas vraiment très drôle, mais bon. Ce serait con, hein. Surtout que là, la station, la plus proche, elle doit être à 8 bornes. Mais moi, je vais aller chez mon copain qui habite juste après, là-bas. J'ai envie de lui faire la surprise. Donc on verra bien. Oh là! Ah bah non! Ah bah là, je suis pas dans la merde. Je vais devoir l'appeler pour lui dire que je suis en panne, mort de rire. L'oiseau qui a apporté les papiers pour ma libération s'est perdu en chemin. Un hibou maudit qui s'appelle Erol. Thank you.